Alors, merci d'être là ce soir avec nous. Ça ne marche pas. Oh. Bon, mais je parle là. Dans cette belle librairie Compagnie, qui nous accueille et soutient les publications de psychanalyse et de sciences humaines depuis longtemps, avec beaucoup de compétences et de fidélité. Ça ne marche pas ? Vous ne m'entendez pas ? Oh, je parle de vous. Plus proche. Alors, je vais commencer par vous présenter nos deux collègues, Béatrice Ittier, qui a fait l'édition de l'ouvrage que nous vous présentons, en séance, au fil de l'affect et de l'émotion, et Teresa Flores. Béatrice et Teresa sont également auteurs d'importantes contributions dans ce livre, que vous lirez probablement. Béatrice Ittier est psychanalyste, psychologue clinicienne, psychanalyste de la Société psychanalytique de Paris et de la Société psychanalytique italienne de Pavie. Elle a été rédactrice de la Revue française et membre du comité d'organisation du CPLF. Elle est membre d'honneur de l'Institut de psychanalyse et de psychothérapie de Varsovie, Pologne, où elle enseigne. Et elle est reconnue comme psychanalyste de l'enfant et de l'adolescent à l'IPA, organisation psychanalytique, internationale. Parmi les psychanalystes français, Béatrice a l'originalité d'avoir choisi une triple formation et une triple filiation, en tout cas parmi celles qui sont marquantes. Donc, Joyce McDougall à Paris, Herbert Rosenfeld à Londres et Antonio Ferro à Milan. Elle est de plus l'auteur de nombreux articles publiés en France et dans de nombreuses revues internationales et a participé à plusieurs livres en France et à l'étranger. Teresa Flores vit et travaille à Lisbonne où elle est psychiatre et psychanalyste. Membre titulaire et formateur du Nucleus portugais de psychanalyse et du groupe d'études de l'Association psychanalytique internationale, elle est également membre de la Société européenne pour la psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent, la CPA, ainsi que du comité psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent de l'Association psychanalytique internationale. Elle a été présidente du NPP, Nucleus portugais de psychanalyse, et co-chair pour l'Europe de la COWAP, qui est le comité on Women and Psychoanalysis de l'API. Je précise que les 10 auteurs extrêmement contemporains qui publient leurs pensées et leurs émotions dans cet ouvrage travaillent au Brésil, en France, en Italie, au Portugal et aux USA, ce qui reflète, ce qui reflète la très importante place de leurs théories cliniques présentes dans cet ouvrage. En suivant le fil du titre, et bien que nous ne soyons pas en séance, a priori, je vais m'autoriser à vous faire part, très brièvement, d'un affect que j'ai ressenti à cette lecture. Excusez-moi, qui vous le présente, vous ? Ah, ben, je m'appelle Eva Veil, je suis psychanalyste de l'ASPP, je crois que ça suffit, non ? Ouais, je fais que présenter mes collègues et le livre. En suivant le fil du titre, donc, je vais m'autoriser à vous faire part très brièvement d'un affect que j'ai ressenti à sa lecture. Tous les textes de l'ouvrage sont tout particulièrement transmetteurs de ce qui fait la texture de nos cliniques quotidiennes. Mais de plus, au fil des pages, ils abordent des interrogations qui saisissent nos acquis métapsychologiques et leur construction dans une perspective contemporaine qui vous sera détaillée plus précisément par Béatrice Ittier, qui, je vous le rappelle, est éditrice de l'ouvrage. Ces auteurs nous disent que l'émotion est au cœur du processus psychanalytique dans la séance et à travers les références aux travaux de Melanie Klein, de Donald Winnicott, de Wilfried Bion et bien entendu de Freud.
le dialogue a plusieurs voies, peut-être même je pourrais l'appeler supra-verbal, qui se dégage à partir de leurs interrogations, nous montre que l'ensemble, construit par ses écrits croisés avec finesse par Béatrice l'éditrice, est toujours plus riche que la somme de ses parties, et que le saut du quantitatif vers le qualitatif l'a emporté. J'ai quant à moi beaucoup appris et même été transformée dans ma pratique, un peu, par cette lecture enrichissante. Nous aurons donc la présentation de nos deux collègues, puis nous donnerons la parole à la salle et nous conclurons à peu près dans une heure, vers 21h30. Je me tourne d'abord vers Béatrice Itier pour lui demander de nous dire comment est né le projet de cet ouvrage ainsi que sa réalisation sous forme d'un livre édité et publié par ITAC. Eh bien, d'abord, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présents et pour participer à la présentation de ce livre. Et je remercie aussi infiniment Anna de Staël de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté d'éditer ce livre. Elle est malheureusement absente ce soir, elle est souffrante. Et donc, elle saura que je salue sa démarche d'éditrice avant-gardiste. Et je la remercie aussi chaleureusement d'avoir non seulement accepté ce livre, mais d'y avoir beaucoup contribué par toutes sortes d'efforts. Et puis je remercie aussi vivement Yannick L'Horrible de nous accueillir dans sa belle librairie Compagnie. Alors en fait, tu me demandes d'où suis-je partie. Je suis partie de l'idée que nous avons vécu et que nous vivons encore la psychanalyse en France dans la seule référence de Freud. J'exagère un peu, mais enfin, quand même. Et que, donc, il s'agit d'un modèle psychanalytique classique qui continue à assimiler la psychanalyse au seul Freud et à assigner à la pulsion les seules énergies et structures. Le quantum d'affect, qui était lié aux études sur l'hystérie, qui était écrite avec Breuer, a disparu sous l'impact de la métapsychologie de Freud de 1915. En France, certaines institutions analytiques ont pérennisé ce modèle métapsychologique jusqu'à aujourd'hui, en en faisant quand même un peu, je dois dire, une vérité intangible. Je me permets de dire ça parce que comme j'ai beaucoup navigué dans différents pays, je voyais le décalage qui pouvait y exister. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de construire ce livre. Alors, Donald Melzer, un clanien, mais post-clanien, parler aujourd'hui de ce modèle psychanalytique classique comme un modèle hydraulique en 78, cette réduction-là. Donc, tout s'est passé comme si ce modèle de la psychanalyse classique devait être absolument inamovible pour certains. Donc, ça engendre quoi? Alors, ça engendre une certaine méconnaissance de Klein. Ça engendre aussi... Ah oui, alors, avec évidemment une connaissance relative et lacunaire de Winnicott et une certaine ignorance, pour ne pas dire une ignorance certaine, de Bion. Voilà, ça, c'est de là que je suis partie. Or, quand même, en 1926, dans Inhibition, symptômes, angoisse, Freud réintroduisait l'affect, si je puis dire. Et je le cite, « Les états d'affect sont incorporés à la vie d'âme en tant que précipités de très anciennes expériences, vécues, traumatiques, et sont évoqués dans des situations similaires comme des symboles mnésiques. » C'est magnifique, non? Moi, je trouve ça magnifique. Et en fait, on peut comprendre la postérité de Freud
comme ayant eu la capacité de développer ça. Et notamment, évidemment, Bion. Alors, autant dire que Freud reconnaissait là l'impact des expériences traumatiques primitives sur lesquelles les claniens, plutôt les post-claniens d'ailleurs, les bioniens et les post-bioniens ont construit un aspect très important de leur œuvre. Sans parler, évidemment, de l'incontournable Winnicott. Alors, il faut rendre quand même grâce à Mélanie Klein, très peu étudiée en France, qui a fait de la connaissance un savoir aux conséquences émotionnelles, génératrice de conflits, d'angoisse et de défense à partir de son expérience avec les enfants. Mais pas seulement, et qui est encore fondée sur un modèle, sa démarche, son modèle, oui, il est encore mono-relationnel. Mais ça serait à discuter, parce que, mono-relationnel, ça veut dire le patient d'un côté, l'analyste de l'autre. Mais quand même, elle a été capable de décrire, de trouver ce concept de l'identification projective qui est véritablement stéréophonique. Et donc, je pense qu'il y a déjà une brèche dans ce modèle de la psychanalyse classique, même si elle voulait toujours être très fidèle à Freud et qu'elle avait conservé Pulsion de vie et Pulsion de mort. Alors, Winnicott, bien sûr, n'est pas du tout en reste avec cette révolution et il constitue un ébranlement des lignes. Et bon, mais c'est surtout Bion qui a donné à l'émotion toute son ampleur. Et c'est ce dont précisément ce livre voudrait témoigner. Il y a une approche très théorique de Bion dans le livre, mais il y a aussi des exemples cliniques et dont certains parfois sont très abondants. Donc, il faut se garder quand même de ne retenir de Bion qu'une visée théorique, même si c'est très important. Parce que ça pourrait quand même discréditer sa pensée si on tenait compte que de ça. Bion a inventé un concept qui est le concept de « haut », la chose en soi. C'est très kantien comme idée, mais qui n'est pas du tout accessible. Donc, on ne peut avoir accès à « haut » que si nous connaissons ses dérivés. Et les dérivés, c'est le phénomène de Bion. Pardon, je vais boire. Ce sont les phénomènes de Kant. Donc, au fond, l'émotion, c'est une première définition qu'on trouve chez Bion, elle pourrait être considérée comme une forme définitive des dérivés de l'affect. L'affect étant enraciné dans le corps, c'est pour ça que nous avons écrit en séance « Au fil de l'affect » pour reconnaître sa dimension dans le corps et peut-être encore pas encore psychique, mais c'est un point de départ transformationnel se terminant par la création d'une émotion. Il y a d'abord l'affect dans les profondeurs et puis il y a l'émergence de l'émotion. Bon, je ne vais pas trop m'attarder, mais je voudrais dire quand même qu'il y a un auteur qui ouvre le bal. C'est René Roussillon. René Roussillon va nous donner une articulation du modèle classique freudien qui est assez remarquable. Et on va voir, il va reprendre toutes les différentes étapes des affects chez Freud. Et depuis l'affect et ses concepts associés, les fonctions psychologiques, psychanalytiques de l'affect. Et la fonction de l'affect dans la relation avec l'autre. C'est ça qui nous a intéressés particulièrement. Puisque le modèle qu'on a tenté de définir, c'est un modèle, ou d'appréhender, c'est un modèle quand même qui est bipersonnel. C'est-à-dire, il n'y a plus le patient d'un côté et l'analyste qui note ce qui se passe. Non, il y a l'un et l'autre qui sont dans une interrelation. Bon. Alors, le modèle bionien renverse donc la psychanalyse classique
et imprègne de plus en plus le post-clanisme. J'allais, disons que l'épidémie a interrompu ce congrès. C'était un mini-congrès où il y avait des claniens, Steiner, John Steiner, il y avait Feldman, Michael Feldman, et puis il y en avait un troisième. Tu peux m'aider peut-être, Teresa? Britton. Et il y a encore peut-être 8 ans, vous voyez, la psychanalyse change beaucoup. Il y a peut-être 8 ans, quand on parlait de Bion, c'était uniquement pour parler de la partie psychotique et non psychotique de la personnalité. Et je me disais quand même, il laisse de côté toute la suite. Et bien maintenant, ce que j'ai observé, notamment avec Feldman, ce que j'ai observé, c'est que l'analyse clanienne, enfin post-clanienne et bionienne, elle s'est beaucoup transformée, et Bion est cité très très fréquemment. Et j'étais à l'APSA en janvier, je voyais dans le même séminaire, il y avait beaucoup de monde, il y avait des post-claniens et des bioniens, post-bioniens, qui fonctionnaient en bonne intelligence, qui communiquaient. On voyait pas vraiment la différence. Je peux t'interrompre une seconde. Enfin, t'interrompre, te perdre. Est-ce que tu voudrais dire que tu as fait ce travail de regrouper tous ces auteurs dans le avec ce que tu dis de l'intentionnalité, parce que tu trouvais que Bion n'était pas assez, enfin les bioniens, les post-kleiniens n'étaient pas assez présents dans la psychanalyse en France particulièrement. Oui, enfin ils ont un certain rôle, mais il y a aussi les Winnicottiens, c'est très important. Mais je trouvais notamment Bion, qui est quand même le modèle bionien est un modèle assez difficile. Ceci dit, je trouve que le modèle de Winnicott, bon, on parle toujours de l'objet transitionnel, mais c'est aussi très, très difficile. Et les deux, il y a beaucoup de contacts maintenant, notamment aux États-Unis, entre des Winnicottiens et des bioniens, qui dialoguent, parce que le dialogue a été interrompu par la mort de Bion. Mais ce qui est très dommage, c'est qu'on n'a pas pu avoir toute la sève de leurs échanges. Mais quand même, je trouve qu'on peut s'intéresser à cette filiation, et c'est très intéressant. Bon, alors je ne vais pas m'étendre longtemps, je vais arrêter bientôt. Tu veux me poser une question? Non, je me demandais si Teresa avait envie d'intervenir sur ce que tu viens de dire, en précisant, en approfondissant, en voulant colorer autrement ce que... Oui, pardon. Non, je ne veux pas, merci. Je ne veux pas dire... je pense que Béatrice fait un panorama très bien de ce qui se passe. Je ne connais pas très bien ce qui se passe dans la psychanalyse française, plutôt chez moi, et comme c'est un peu différent. Mais de toute façon, je trouve que c'est très important apporter ensemble toutes ces idées, et on peut après peut-être parler un peu parce que pour moi, il n'y a pas de limite tellement définie. La formation que j'ai eue chez moi était depuis tout le début très influencée par la psychanalyse française au début. Après, dans la psychanalyse d'enfant, très influencée par la psychanalyse kleinienne, Winnicott. Et dans ma formation avec mes superviseurs, ça a été... parfois, je me sentais complètement bouleversée. Mais qu'est-ce que c'est la psychanalyse? Parce que j'avais un superviseur winnicottien, mon analyste était winnicottienne, un superviseur kleinienne, et Ferro, qui a été en Italie, et que ça a été aussi... Alors, parfois, je dis, mais j'étais complètement confuse avec les approches
d'un côté et de l'autre. Mais au fur et à mesure que le temps passait, que je me suis un peu plus développée dans la psychanalyse, j'ai trouvé qu'il y avait une continuité. Je n'ai pas trouvé cette séparation d'une façon très nette. Bon, oui, je vous laisse la parole. Après, nous parlerons un peu plus. Discussion entre vous deux est très importante. Parce que tu avais l'air de dire que maintenant, tout le monde s'entend parfaitement bien. Non, je n'ai pas dit ça, hein, faut pas exagérer. Non, j'ai dit que j'avais été frappée en janvier de voir à New York, de voir qu'il n'y avait pas de clivage entre les claniens, les post-claniens, les bioniens et les post-bioniens. Et que tous ces gens fonctionnaient ensemble dans la même salle et bon, intervenaient les uns les autres. En bonne intelligence, voilà, ça m'avait frappé parce que vous savez très bien qu'on est souvent habitué à des clivages, donc c'est très appréciable. Enfin, on le note, on voit, on remarque quand il n'y en a pas. Voilà. Je vais dire seulement quelques petites choses. Je peux tout ce que tu veux. Merci. Dans le premier livre, non pas le premier livre de Bion, mais dans le livre de 62, juste après la mort de Klein. Klein meurt en 60. C'est une petite parenthèse, je vais aller vite. Il y a un livre sur Klein qui a été publié. Les écrits qui n'avaient jamais été publiés ont été rassemblés par Steiner, justement. Et on voit, 3 ans avant sa mort, qu'elle dit... On parle toujours... sous-entendu mes disciples. Parle toujours de la... De l'agressivité. Je suis désespérée. 3 fois. On ne peut pas parler de l'agressivité. C'est l'imago qu'on a de Klein. Hein. On ne peut pas parler de l'agressivité si on n'a pas fait émerger l'amour. C'est ce que fait Bion. Parce qu'il a un concept fondamental qu'il a intitulé l'atwenment, l'unisson, ou l'analyse est à l'unisson, mais profondément, avec le patient. Et c'est de cet unisson que quelque chose va naître entre eux comme un organisme. Alors, on voyait ça un peu avec la chimère de Demusan. Mais il n'y avait pas les qualités émotionnelles que Bion reconnaît. Chez Demusan, ça restait un peu intellectuel, un peu beaucoup. C'était de la pensée secondarisée. Tandis que là, chez Bion, c'est vraiment la fusion entre l'analyste, comme la mère, avec le tout petit, hein, c'est ce que décrit très bien Winnicott, la fusion entre l'analyste et le patient. Alors la question après, c'est comment l'analyste va récupérer son identité, hein. C'est extrêmement important. Entre les sources, aux sources de l'émotion de 62 et puis ensuite ses écrits de 70, Bion part d'une démarche qui évince ou qui condamne la sensorialité, qui est discréditée. Pour instaurer cette ontologie de l'émotion que je viens de vous évoquer, cette ontologie de l'émotion qui va faire de l'émotion toute sa métapsychologie. C'est vraiment une métathéorie, une métapsychologie de l'émotion chez Bion. Donc, bon, je vais passer plus rapidement. Oui, tiens, tu pourrais peut-être m'interroger. Ça me relancerait, parce que je ne vais pas passer tout le non, livre. Non, c'est pas ça. Mais je crois que sur l'émotion qui est dans le titre, à la fois, ça ne nous intrigue pas tellement, après tout... que l'analyse soit quelque chose de lié si profondément à l'émotion, ça n'a rien d'extraordinaire, et même c'est logique, mais dans les présentations,
l'émotion devient non seulement un élément, bêta, alpha, tout ce, mais devient le carrefour de la relation analyste-patient et patient-analyste. Je veux dire que c'est le creuset dans lequel vont se former toutes les directions thérapeutiques ou projectives des deux. C'est ça, moi, qui m'a beaucoup frappée. Donc, et quand tu proposes que la chimère, parce que tu as amené dans ce dispositif le modèle de la chimère, modèle que, comme je l'entends, hein. Comme tu l'entends, mais qui est quand même, qui a quand même été énoncé par Michel de Muzan, que vous connaissez, et aussi Grotstein, hein, dont on ne parle pas, mais non, mais parce que de Muzan s'est approprié, au bon sens du terme, cette notion de chimère. Et peut-être tu peux nous dire quelques mots alors sur la chimère dans son lien avec avec ce carrefour de l'émotion et de l'affect. Bah, c'est-à-dire que normalement, comme je l'ai sous-entendu avec la citation de Freud, on s'occupe quand même de l'archaïque. Et dans l'archaïque, le vécu émotionnel de la mère est extrêmement important. Et il y a un échange entre le vécu émotionnel du bébé et celui de la mère. Et c'est quelque chose de cet ordre-là qui a, à mon avis, eu une très grande importance pour Bion. Donc, et il en a fait aussi, il a transféré ce modèle-là au modèle du patient et de l'analyste. Mais quand on se laisse aller, et ça, on a beaucoup parlé de Muzan et moi, mais quand, il m'a très gentiment écrit les différences qu'il y avait entre nous, quand on se laisse aller à une rêverie, qui est un concept bionien, et puis qu'on se laisse encore aller plus loin, vers une sorte de dépersonnalisation, là c'est l'unisson, on peut faire vraiment des liens. Les théories sont un peu en asymptote. Elles sont parallèles. Eh bien, à ce moment-là, il peut arriver que, enfin, ça c'était mon expérience, que tout à coup, il y ait un pictogramme qui s'impose. Ou un pictogramme, alors Ferraud dit un hologramme, parfois, quand on se situe dans une théorie du champ, ce serait un hologramme, par exemple, mais c'est un pictogramme qu'on trouve déjà chez Olanier, c'est un pictogramme affectif. Il y a quelque chose où on est bouleversé dans le vécu, dans le partage, dans la réceptivité, le partage émotionnel entre les deux membres du couple, et un organisme peut naître. Et moi, j'ai eu 7 expériences comme ça, 7. Bon, je ne vais pas vous donner des exemples, il y en a un dans le livre, et puis il y a un autre exemple sur l'archaïque. Mais de Muzan, lui, avait une patiente à laquelle il parlait quasiment pas, et la patiente ne pouvait plus, elle avait perdu ses contours, dit-il, enfin elle était incapable de se lever, et puis à un moment donné, il lui a... Elle disait, je ne sais plus où je suis, où je vais. Et il lui dit, vos contours sont dans ma poche. Ça, c'est une chimère aussi. Mais c'était assez archaïque, là. C'est un exemple que donne Muriel Gagnebin. Elle le reprend dans le glossaire qu'elle a fait dans le dernier livre de Michel de Muzan. Bon, voilà pour la chimère. C'est un organisme qui va naître, une créature fabuleuse, dit de Muzan. Ça aussi, je suis d'accord tout à fait avec ça, bien sûr. Mais qui va naître à partir, on pourrait dire, de l'effusion des deux membres du couple. Et ça peut aller très loin. Hein. Moi, je me suis retrouvée une fois transformée en vache. Et j'étais très impressionnée.
Mais je ne vous raconte pas l'histoire parce que si ça vous intéresse, il y a toutes les références. Et de toute façon, il y a un exemple de chimère dans mon chapitre. Voilà. Bon. Alors, pour revenir, je vais lire quelques lignes du texte de Teresa.